Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, on va parler d'un élément important, puisque c'est déménagement. Et oui, ça fait un peu plus de... ça va bientôt faire 3 ans, je pense, que je suis dans ce studio de 30 mètres carrés à Massy, avec ma fille, un endroit qui nous a aidé à nous poser en région parisienne, mais un endroit beaucoup trop petit. Pas de chambre. En gros, le salon, vous voyez pas, mais ici, il y a un espèce d'espace où ma fille dort, et moi je dors dans le canapé qui est là-bas, mon vieux canapé tout pourri. Il est temps de changer d'appartement. Et ben aujourd'hui, à 14h30, je récupère les clés de notre nouvel appartement. Donc on va passer de 30 mètres carrés à 85 mètres carrés avec deux chambres, deux vraies chambres et un super grand salon où au moins la moitié va servir de future grotte. Donc dans les deux prochaines semaines, je vais m'occuper à gérer la logistique du déménagement. Parce que c'est la partie la plus importante du déménagement, c'est la logistique, toute la préparation, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais finaliser deux épisodes que je vais monter, etc., etc. Et ensuite, je vais pouvoir m'occuper du déménagement. Et ces deux épisodes, ça va être des épisodes géniaux, puisque je vais enfin finir. Je vais essayer, en tout cas, de bien avancer le bon samaritain, le flingue de Hellboy, que j'avais imprimé en 3D. Je lui ai mis des aimants, j'ai mis un ressort pour que la gâchette elle marche, plein de choses super coolos, ça c'est pour bientôt. Et le deuxième épisode, parce qu'avec mon nouveau boulot j'ai beaucoup plus de trajets, et ben pour patienter dans les trajets, je me suis acheté une Switch et je joue à Zelda, et ce jeu est génial, voilà. Je suis vraiment pas bon, mais le jeu est vraiment démentiel, voilà. J'ai que ça à dire. Donc c'est mon passe-temps dans le RER, quand j'arrive à trouver une place pour poser mes fesses, je joue à Zelda. Je ferai sans doute un épisode sur le déménagement, puisqu'il y a plein de choses à dire, et surtout la logistique, le rangement, etc., etc., la préparation. Et donc, je me suis acheté des trucs spéciaux déménagement. Alors, je vais pas vous montrer les cartons, mais j'ai acheté une vingtaine de cartons. J'ai acheté du scotch en masse. De toute façon, même s'il m'en reste, et il m'en restera, le scotch, c'est toujours bien. Donc, j'ai acheté du scotch comme ça, puis du scotch fragile pour les trucs qui sont fragiles. Et aussi, mon super dérouleur pistolet à scotch. Si j'ai un truc à vous conseiller quand vous déménagez, c'est de vous acheter ça. C'est du film étirable industriel. Un peu comme le film étirable... Putain, j'arrive même pas à l'ouvrir. un peu comme le film étirable que vous avez dans votre cuisine, mais beaucoup plus gros et beaucoup plus bourrin. Donc pour résumer, aujourd'hui, je vais faire deux épisodes que je vais réaliser dans les deux prochaines semaines, et je vais commencer à préparer mon déménagement. Et honnêtement, même si on était dans un petit studio de 30 mètres carrés, il y a une masse de bordel à trimballer qui est impressionnante. Une dernière petite chose, je cherche des bras pour mon déménagement. Une, voire deux personnes. Donc si vous êtes dans la région parisienne et que le 25 mars et que donc le samedi 25 mars vous voulez venir filer un coup de main, vous êtes les bienvenus. Il y aura de la pizza, il y aura de la bière, et en plus il y aura, parce que j'aurais fait le tri, il y aura des trucs à récupérer que je vais donner. Donc si vous voulez récupérer du matos de barbu, vous voulez venir boire des bières, manger la pizza et nous aider à trimballer quelques cartons, vous êtes les bienvenus, vous m'envoyez un petit mail et on arrangera ça. Voilà un tout petit blog ultra court pour vous prévenir donc que dans les deux prochaines semaines, je ferai pas d'épisode, donc je vais les faire en avance. Et il y aura plein d'épisodes qui vont venir, qui vont être super géniaux. Alors il y a déjà ceux qui sont prévus, qui sont là, que vous voyez pas sur le mur. Mais évidemment, vu que je vais rentrer dans un nouvel appart, il y aura plein de choses à faire. Faut que je me fabrique un canapé, faut que je me fabrique un lit, faut que je me fabrique plein de trucs. Faut que je réorganise ma grotte. Plein d'épisodes géniaux en préparation. Le déménagement, le changement, c'est bien, c'est toujours bien. Et là, on va dans un appart vachement plus grand, donc c'est évidemment vachement mieux. Voilà, c'est tout.
du scotch, des cartons, du film étirable, du bon fun pour les deux prochaines semaines. Alors, ça va être l'objectif, je vais trier énormément de choses, je vais jeter pas mal de choses, je pense. Des trucs que je garde, je sais pas trop pourquoi, des trucs qui sont cassés, des trucs qui marchent plus, mais aussi, je vais mettre de côté beaucoup de machins. Donc, n'hésitez pas à suivre mon Instagram, puisque c'est là où je vais balancer toutes les photos des trucs que je risque de donner. Et si vous voulez venir filer un coup de main samedi, contactez-moi. Voilà! Du changement, c'est excitant, ça va être fatigant, ça va être génial. Allez, que la barbitude soit avec vous, et à bientôt!